find rock music. As far as today's genre of rock music goes, it's very apathetic, it's very boring, it's very uninspiring to me. Do you need the consolation of a dead man's hand? As the tears of desolation flood a dead man's land? En ligne de ce soir, met en vedette le groupe canadien de Tea Party et va durer 1h30. Le groupe va nous interpréter 8 chansons des succès des albums précédents, mais aussi des chansons du plus récent album Transmission. Alors, comme d'habitude, dans le cadre d'une émission en ligne, vous pouvez entrer en contact avec le groupe, soit par téléphone. Si vous êtes de Montréal, vous faites le 790+. Si vous appelez de l'extérieur, vous faites le 1-800-567-5656. Vous pouvez envoyer un fax avec votre question au 284-1889 dans le code régional 514. Il y a aussi moyen d'envoyer une question par Internet. On est au www.musicplus.com. Et il y a bien sûr des chanceux qui sont ici qui vont pouvoir poser des questions au groupe en studio. Alors, on commence tout de suite en musique avec The Tea Party. On va entendre The Bazaar et aussi une chanson du plus récent album du groupe Transmission. Voici Army Ants, The Tea Party à Musique Plus. Ah!
Merci bien. Merci. Thank you.
Capital extérieur, le 1-800-567-5656. Salut Geneviève, oui, ça va bien, merci. Ça va bien, Jeff? En forme. Good, good. Comment vous aimez jouer à la télé comme ça? Est-ce que c'est très différent? C'est très chaud. Oui, ouais. Chaud. Ah, oui, c'est un peu différent, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Nous allons voir. C'est pas difficile, mais c'est intéressant parce que nous avons joué sur télévision en Australie la mois passé, mais c'était seulement deux chansons. Alors... Et puis c'était à 9h du matin. À 9h du matin aussi, alors. Oui. Alors ça, c'est plus facile. Mais, pour l'album précédent, The Edges of Twilight, vous aviez utilisé une trentaine d'instruments qui venaient de partout dans le monde. Ça, c'est qu'est-ce qu'on dit, oui. Mais... Et puis cette fois-ci, bon, vous avez marié un peu les sonorités électroniques avec votre musique. Vous aimez vous lancer des défis? Est-ce que vous avez besoin de vous donner des défis comme ça quand vous faites un nouvel album? Ah, je pense pour nous autres, comme artistes, musiciens, on veut pousser nos expectations avec la musique ou avec l'art ou quelque chose. Alors, oui, je pense que c'est nécessaire, mais c'est plutôt important pour que les chansons soient là. Ouais. Ça ne fait pas de différence si on a 4500 instruments sur l'album. Si les chansons ne sont pas là, ça ne fait pas de différence. Alors. Cet album-là a été fait beaucoup à partir des rythmes, je crois, des loops et des rythmes. Pour toi, qu'est-ce que ça représentait comme défi, cet album-là? Cet album ici, c'était très intéressant pour moi, puisque, pas la majorité, mais la moitié des chansons étaient écrivées par Jeff et nous autres autour des rythmes. Alors, spécialement les électroniques et un peu d'acoustique. Alors, très différent des autres albums, mais pour nous autres, c'est un album de un challenge. Mm-hmm. Right? Oui, c'est bien, c'est parfait, on comprend. Ça a été fait à la maison, chez toi, à Montréal, cet album-là. Est-ce que tu étais discipliné? Parce que bon, ça doit être facile quand tu es chez toi d'écouter la télévision ou de dormir. Comment tu faisais en sorte que... Moi, j'ai oublié de payer mon facture de télévision, alors je ne pas une. Je pense que parce que le passé avec les albums qu'on a fait déjà, il y en a une discipline qui est là, mais c'est pas trop strict. C'est juste, c'était quelque chose. On était vraiment excités avec les nouvelles chansons pour transmission. Alors, ce n'était pas difficile pour concentrer et puis pour faire le job. OK. On va aller prendre les questions du public maintenant. Il y a Marlene qui est en compagnie de Stuart à l'Internet. Salut. Bonsoir. Salut. Je ne t'ai pas vu. Bienvenue au premier en ligne dans le nouveau studio. Êtes-vous content? Merci. Stuart, je voulais savoir comment ça se fait que lui, il n'a pas des belles chaises comme ça. You wanted to talk about the chairs. How come you don't get a chair? Yeah. You didn't get a chair. I guess we're modern over here. You guys are archaic. Alors, on va commencer avec un appel du public. On a quelqu'un sur la ligne? Bonsoir. Oui. Allô? Bonsoir. Quel est ton nom, mademoiselle? Dominique. Bonjour, Dominique. T'as une Allô? Oui. T'as une question pour nous?
Ben, premièrement, je voudrais dire qu'il était super bon au Edgefest, là. J'ai été le voir. Merci beaucoup. De rien. je voudrais savoir comment vous avez trouvé votre nom. Si tu sais les poètes Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac, ils étaient des amis, et puis dans les années de 1950, ils ont fait un ensemble de poétiques, oui. Et puis et le mot ou la phrase qu'ils ont choisi pour décrire cet ensemble était « On va avoir une tea party ». Ah oui. Ça, c'est la raison. Et Burrow et Ginsberg, c'est des poètes que t'aimes, toi? Ah oui, vraiment, oui. Ouais. OK. On prend une autre question? On a une question ici et je pense que Stuart va être capable de la répondre. They want to know, when do you guys plan on making a next video, your next video, and which song would you choose off the Transmission album? Actually, our next single is going to be Babylon, and we're shooting that tomorrow, actually. And wow! Alors, vous avez ici une primeur, hein? Good question. We're going to be using the same director as Temptation, so Tryon George, and it's a real original concept. Like, it's going to be just one shot. There's going to be no edits in it, so it should be interesting. Like the Spice Girls did for their first video. Did you see it? Spice Girls, big influence. OK, petite traduction. Alors, le prochain vidéo qu'ils ont l'intention de faire, c'est Babylon sur l'album Transmission. Et ils vont utiliser le même réalisateur qu'ils ont utilisé pour leur dernier vidéoclip. Et c'est demain qu'ils ont l'intention de tourner le vidéo. Where do you guys plan on shooting this video? We've got this like huge warehouse space because it's going to be like a huge shot, and there's going to be lots of zoom ins and zoom outs of like different vignettes. There might be like 40 or 50 people in this video. Okay, so great. We needed a huge space, so it's going to be in Toronto, the warehouse. Alors, ils ont l'intention de tourner leur vidéoclip à Toronto, et puis ils vont le faire dans un warehouse. Warehouse en français. Bon, on va le trouver tantôt. Et c'est ça, alors, il y aura 40 à 50 personnes qui seront dans cette vidéo. On a une autre question ici. Il y a une demoiselle qui a une question pour Jeff. And Jeff, you're going to love this question. You're going to love this question because we talked about this not long ago. Now, go ahead. OK, je sais que dans la vidéo de Temptation, quand tu es allé dans l'eau, l'eau était très froide, puis il y a eu des petits problèmes techniques. You remember that one? Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé dans... Let's not go there. Oui, c'était une challenge, si c'est le mot. J'étais 15 heures dans cette eau, et puis l'eau était vraiment froide. C'était, qu'est-ce que la température était? 50 degrés Fahrenheit, oui. Alors oui, c'était pas confortable, mais les choses que tu fais pour l'art, tu sais. Merci. Alors, on continue avec toi, Geneviève. Vous tournez donc un clip pour la chanson Babylon. C'est une chanson que vous avez composée, qui est sur votre dernier album. Ça parle un peu de Babylon, mais je pense que vous avez fait un parallèle avec une histoire d'amour. Non, c'est pas d'amour. C'est une description poétique du self-aggrandissement et puis le faux pas de une mentalité comme ça. Okay. Alors c'est une critique de les personnes dans le monde du pop ou du l'art qui sont comme ça, qui leur religion se semble d'être une religion du self-aggrandissement. Okay. Ouais. Est-ce que vous avez visité Babylone parce que vous avez voyagé beaucoup? Non. Vous n'êtes pas allé? Juste dans mon tête. Dans votre tête? Ouais. Merci. On va retrouver Marlène? Oui, alors on va prendre une autre question. Mademoiselle, toi, tu avais une question très préparée. Veux-tu te présenter? Oui, oui. Tantôt, tu t'es pas présentée. Dis ton nom avant, hein, non? Moi, c'est Gabrielle. OK, une deuxième question. Dis ton nom et puis pose ta question. Hi, you guys. My name is Melanie. And I just want to say you guys are just amazing. And the question is for Jeff Martin. Out of your 3 CDs, which song is your favorite and why? Well, I'm pretty schizophrenic, right? So it depends on my mood. But I would have to say that right now, the song Transmission is probably my favorite thing that this band's ever done. So. Yeah. Alors sa chanson, c'est la chanson. On lui demandait quelle est ta chanson préférée sur les 3 albums. Ah oui, c'est vrai, tu peux le dire, tu parles français. Mon chanson favori était Transmission. Merci beaucoup. Hein? Okay. Bravo, Jeff. I'm taking over. Yes, I'm taking over. That's all right. Alors, on s'arrête le temps d'une pause et on revient tout de suite après avec l'émission en ligne avec The Tea Party.
cannot pretend, Mother, there is no other, and I'm crying in the night, it's just flowing from my mind. De retour à l'émission en ligne avec The Tea Party, le groupe va interpréter 8 chansons en tout au cours de l'émission, une émission qui dure 1h30, durant laquelle on prend vos questions, bien sûr. Alors, on poursuit tout de suite en musique avec Sister Awake et une très belle chanson tout de suite qui est sur le dernier album, Transmission, Psycho Pump. Thank you.
Merci. La musique du Moyen-Orient, ça c'est le propre mot, oui. La musique de l'Orient, c'est d'une grande influence sur la musique du Tea Party. Et puis avec cette prochaine chanson, j'espère de vous montrer ça. Thank you.
questions à la formation D-Party via l'Internet www.musicplus.com ou en composant le 1-800-567-5666 ou le 790+. On s'arrête le temps d'une pause et tout de suite après, The Tea Party à Musique Plus. D'expérimenter avec la musique électronique cette fois-ci. Est-ce que ça fait longtemps que la musique électronique t'intéresse? Puis comment t'en es venu à t'en servir? Je sais bien que quand j'étais 18 ans, 17 ans, moi j'ai joué avec les premières les boîtes électroniques du tambour, tout ça, et puis des sequencers. Quand j'étais cet âge-là aussi, mes artistes favoris musicaux étaient les choses comme Joy Division, et puis The Cure, et puis Akon Bunnyman, les choses comme ça. Et puis, moi je me souviens, et puis c'était juste parce que nous autres, nous trois, on voulait être proficient. Est-ce que c'est le mot? Proficient. Professionnel? Ouais. Non, c'est OK. On a quoi? Ils ne sont pas professionnels, mais je... Okay. Mais notre chose était une guitare, et puis le bass, et puis les drums pour commencer. Et puis, je pense qu'avec la confiance, et puis nos chansons, ils changeaient. Et puis, avec les chansons, les collections de chansons pour transmission, Je voulais découvrir une autre manière pour exprimer les émotions sur cet album. Qu'est-ce qu'on a fait avec les Edges of Twilight, avec tous les instruments exotiques? Ça ne fait pas de sens pour la transmission. Comme j'ai dit, on a besoin de découvrir quelque chose de nouvel. C'est quand même paradoxal de marier comme des sonorités électroniques avec des instruments exotiques comme ça, des instruments très organiques. Donc ça devait être assez complexe de marier les deux. Ah oui, c'était une challenge vraiment, parce que les deux choses sont très différentes. La musique électronique, ça c'est mon opinion, parce que j'aime la musique comme ça, mais je pense que c'est vraiment froid, c'est vraiment... Puis avec le rock and roll et le sort de musique qu'on fait comme une band, c'est vraiment organique, c'est vraiment passionnant. Puis les deux choses, pour faire un mariage, les deux choses, c'était une expérimentation dans l'alchimie ou quelque chose comme ça. Ouais, fallait que ce soit bien équilibré. On va aller voir Marlène qui a des questions du public. Oui, je suis toujours accompagnée de Stuart ici au site Internet de Musique Plus. On a toujours l'opportunité de poser des questions à la formation via le site Internet www.musicplus.com. On a un appel du public. On a quelqu'un. Nathalie? Oui. Salut, Nathalie. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, moi, j'aimerais ça premièrement souligner qu'on n'a vraiment rien à envier aux autres groupes hors Canada, parce que vraiment, ici, on est gâtés d'avoir un band comme The Tea Party. Et puis, Jeff, j'aimerais ça que tu me dises, toi, si tu en écoutes la musique canadienne dans l'alternatif. Qu'est-ce que t'écoutes un petit peu? Econoline Crush est une band qu'on aime. I'm Mother Earth, nous sommes les amis. Hey, non, pas Moist. Sorry, just kidding. Vous avez quand même la chance d'entendre le français très rapidement.
Ah. Bravo. OK. Tu as vraiment appris à parler français très vite. Ah, merci. Ah. J'ai besoin parce que maintenant je suis un citoyen de cette ville ici, alors j'espère que je parle français. On a ici Sandra qui aimerait poser une question à The Tea Party. Vas-y, Sandra. OK, my question is for you. I've heard that you've been composing the soundtrack music of a Canadian movie. I'd like to know more about it. Basically, the movie I was working on, when I read the script, I really didn't identify with it, so I sort of halted things. But we were mixing our record in Los Angeles, and we talked to a few movie people when we were down there, so hopefully, you know, we'll be able to put our music on a movie soon. Alors, Sandra voulait savoir si c'était vrai que Stewart travaillait sur la bande originale d'un film. Et Stewart lui a répondu tout simplement que quand il a lu le scénario, il n'avait aucune relation avec ce scénario. Alors, finalement, il a décidé de ne pas travailler, mais en espérant que très bientôt, il va pouvoir travailler sur une trame sonore. On a le temps de prendre une autre question. On va prendre une question ici sur le site Internet. Il y a une demoiselle qui aimerait savoir s'il préfère faire des spectacles live ou entrer en studio et travailler sur leur album. Stewart, do you want to answer this one? Sure, I can answer it. Okay. Well, for us, they're two different animals. Like a recording, we're allowed to like completely orchestrate things, and there's really no limits. And live, we have to figure out how to do what we did in the studio. So it's like a real, you know, mind bender. But once we've eventually figured it out, like it's a real rush doing the live show. So each, you know, has their, you know, their warrants and their, you know. Would you like to add anything to that, Jeff? No. No? Okay, I'll just translate what Stewart said. Stewart a dit tout simplement que quand il rentre en studio, alors vous avez compris la question était, préférez-vous travailler en studio ou faire des shows live? Il a dit, en studio, oui, ils aiment bien ça, mais quand ils arrivent live, ils essaient de retranscrire qu'est-ce qu'ils ont fait en studio live et c'est très dur. Alors on va retourner à Geneviève qui a des questions pour Jeff. Moi, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est comment les gens de d'autres pays, parce que vous voyagez beaucoup, comment ils réagissent à votre musique si vous allez au Liban ou en Tunisie ou dans des pays comme ça? Est-ce qu'ils apprécient ce que vous faites? Oui, well, le pays qui est comme un miroir au Canada, tant qu'au spectacle, c'est Australie. Et nous avons complété une tournée là le mois dernier et c'était c'est comme over the top. C'est très excitant pour nous autres parce que c'était. Nous avons commencé là à peu près 4 ans. Ça a tout de suite bien marché pour vous en Australie. Oui, well, c'était comme zéro au début et c'était, nous l'avons grandi avec eux autres. Mm-hmm. Alors, c'est très bon. Mais en tant que les pays du Moyen-Orient, les pays qui vous inspirent, ces gens-là, est-ce qu'ils réagissent bien à votre musique? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, en Turquie. En Turquie, quand on était en ville d'Istanbul et puis on a fait le vidéo pour le bizarre, nous avons employé des personnes turquiche pour travailler sur la vidéo, comme le cameraman et tout ça. Et puis, ils n'ont pas déjà entendu notre band. Ils ne savent pas qu'est-ce que le sort de musique qu'on fait. Je pensais que, OK, here's a rock band in Istanbul. Et puis, quand on a commencé à jouer la chanson Le Bizarre et puis les mélodies qui sont dedans, une chanson comme ça, le sourire sur le visage de la personne turquiche parce qu'il se souvient et ça ressemble à la musique du Turquie, spécialement la musique folklorique. Mm. Alors, oui, c'est un grand plaisir. Oui, et dans ce pays, c'était drôle parce que lorsque nous avons fini à faire la vidéo et ça commence à transmettre au télé, très excité. Oui. Alors, bon. Merci. Non, c'est vraiment bien. Tu parles vraiment bien français. Bravo. On va s'arrêter le temps d'une pause. On revient tout de suite après avec The Tea Party à l'émission en ligne. It's always spilling out the somber lights, casting shadows that will rave the night. Long the alleys of alluring fears, walk the visions that will cause the tears. Heaven help me, I feel I'm fading. I should rest here for a while. De retour à l'émission en ligne avec The Tea Party, on a maintenant droit à trois chansons. On va commencer tout de suite avec la chanson titre du plus récent album de la formation, Transmission, The Tea Party.
hearts by our reason, refusing to walk with the weak. Walk with me. Betrayed by the past desolation, we sent listless nights by the shore, searching for signs of salvation, hoping to find something more, something. I think I hear it, man. I think I hear it, man. Take cover. Yeah.
Toutes les filles. Pour l'esprit du femme dans le monde. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Release. To make you see, I want you to be free.
Je pense que c'est cette chanson ici, ouais. Thank you.
Votre expérience aujourd'hui ici? Ah, c'est un grand plaisir, plaisir. Quand est-ce qu'on va avoir la chance de voir des Tea Party à Montréal? J'ai entendu une rumeur qu'on va jouer la soirée d'Halloween. Wow, c'est vrai. À Montréal, ouais. À quel endroit? Je pense qu'on va faire quelques soirées au Metropolis. Wow. Ouais. Donc bientôt Tea Party à Montréal, au Metropolis. Tu veux jouer une dernière chanson? Tu veux jouer une dernière chanson? Ah oui, oui, avec plaisir. Okay. Temptation, the Tea Party. If we don't know it better, okay. Temptation. We exist in a world.
lights, laughing as these lies unfold. I lost all control. Merci, mes amis. Merci.